le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour ce dimanche pour faire le remplissage des enveloppes du mois de novembre. J'avais dit la semaine dernière que cette dernière semaine du mois d'octobre, j'allais utiliser pour faire mes courses avec l'argent qu'il me restait sur mon compte. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois que j'établis mon budget chaque fin de mois, je laisse toujours une petite marge, je ne fais jamais à zéro. Voilà, j'aime bien laisser un peu d'argent sur mon compte. Et là, j'avais un peu plus de 50 euros dessus et je m'étais dit, bah tiens, c'est l'occasion de ne pas budgéter cette dernière semaine du mois d'octobre et d'utiliser cet argent-là et ne faire qu'avec ce qu'il me reste sur mon compte. Donc là, j'avais retiré donc 50 euros. On m'a posé la question pourquoi j'ai fait le calcul de savoir par rapport aux courses que j'ai payées, par rapport aux courses que mon oncle a payées. D'habitude, je ne le fais pas. Pour celles qui regardent mes haul courses, vous savez, hein, je vous le dis à chaque fois, quand mon oncle fait un achat pour moi des courses, quand il paye les courses, je ne vais pas aller après regarder combien exactement moi j'ai payé, par exemple quand c'est au Leclerc. Là, c'était différent. Pourquoi j'ai calculé? Parce que justement, cette semaine-là, je voulais faire vraiment le minimum de courses avec mes 50 euros. Tant mieux. À Leclerc, j'ai payé moins de 50 euros. Mais justement, je voulais calculer pour voir si je n'avais pas payé les courses avec moi et ceux de mon oncle à Leclerc, s'il n'avait pas payé mes courses à Lidl, combien cette semaine-là j'aurais eu à dépenser. Il s'avère que j'en aurais eu pour 45 ou 44, je ne sais plus exactement. Mais c'était simplement par rapport à cette semaine-là. Pour les personnes qui me regardent chaque semaine, qui regarde mes haul courses, vous savez très bien que je ne vais pas le calculer. Donc, pour la personne qui m'a posé la question, voilà pourquoi j'ai calculé, cette fois-ci seulement, pour pouvoir voir exactement combien j'aurais eu cette semaine, qui pour moi a été différente et particulière, parce que je ne voulais vraiment utiliser qu'un minimum d'argent pour cette dernière semaine du mois d'octobre. Donc tout simplement, voilà pourquoi j'ai calculé pour savoir si au cas où mon oncle n'avait pas payé mes courses à Lidl et si j'avais payé uniquement mes courses à Leclerc, est-ce que je serais restée dans mon budget que je m'étais mise de côté 50 euros. Voilà pourquoi j'ai fait le calcul. Comme ça, les choses sont claires et vous comprenez le pourquoi du comment. On va se retrouver un peu plus bas pour voir ce que du coup j'ai été encore. Donc, il me restait de la monnaie, du coup des 50 euros. J'ai été chercher de la salade. J'avais pas encore pris de la salade, donc j'ai pris deux fois de la salade. Et du coup, il me reste 2-3 euros. Enfin, je sais même pas combien il me reste dans mon portefeuille. Philofax, on va regarder ça tout de suite. Et puis on va procéder au remplissage des enveloppes. Allez, excusez-moi si vous entendez du bruit, on est samedi soir, j'ai invité mon oncle à manger avec nous et il est en train de jouer avec mon petit, donc ils sont en train de faire un peu le foufou dans le salon, donc c'est juste à côté de ma chambre, donc du coup, excusez-moi si vous entendez du bruit. Allez, c'est parti, on regarde un peu plus bas. Donc là, c'est la fin du mois. J'ai sorti aussi mes classeurs épargne, mon classeur challenge. J'ai préparé en amont de la vidéo mes billets factices que j'ai besoin pour remplir mon carnet d'épargne. Parce que vous savez maintenant que je n'utilise que ces billets-là. Vous avez été nombreux à me demander où est-ce que je les ai achetés. Il me semble que c'était tout pour le jeu, quelque chose comme ça, où je les ai achetés. Mais quand j'ai vu la vidéo de Sonia, pour celles qui suivent Sonia, je les trouve beaucoup mieux ces billets. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas écrit en gros spécimen comme ça, c'est vraiment uniquement le billet. Mais après, voilà, après c'est chacun, moi je les avais pas vus ceux-là, donc j'ai pris les premiers qui sont arrivés sur la page internet quand j'ai tapé faux billets, voilà. Donc je sais qu'ils ont augmenté depuis, les billets, hein. Je pense que plusieurs s'en sont en ont acheté, et du coup, bah, ils ont augmenté les tarifs, hein, bien sûr, ils sont pas fous, et moi à l'époque, avant même que j'achète mes billets, je leur avais demandé éventuellement s'il y avait possibilité d'avoir un petit code promo vu que j'allais faire la pub pour leurs billets, non pas pour moi mais pour vous si ça vous intéressait d'en acheter, et ils m'avaient simplement répondu que ça ne les intéressait pas, voilà, tout simplement. Donc c'est qu'ils ont suffisamment d'argent, et la preuve vu qu'ils ont augmenté après, voilà, hein, on va en rester là, c'est pas grave.
Mais bon, voilà, sinon, je sais qu'on peut en trouver aussi dans d'autres magasins, même dans les magasins de jeux aussi, il me semble qu'il y en a aussi. Alors, voyons un peu au niveau de mon Filofax. Donc, en monnaie, comme vous voyez, il me reste plus grand-chose. Hop. Donc, qu'est-ce que j'ai? Bah, si, j'ai quand même une pièce d'un euro. Donc, du coup, on va pouvoir aller la mettre directement, cocher le petit tracker des pièces en euros qui est ici. Hop, bah, ça tombe bien. Comme ça, je ferme un carré. Et ce qui veut dire que j'ai 10 euros en pièces de 1 euro dans mon bocal. Hop. Donc, on va mettre tout de suite la pièce de 1 euro dans ma petite bonbonnière qu'ici, que j'avais achetée à Action. Parce qu'on m'a posé la question, donc je l'avais trouvée à Action. Elle est un petit peu avec un effet pétrole. Je la trouve très sympathique. Voilà. Et donc, pour le reste, je vais garder uniquement les pièces en cuivre pour mettre dans ma tirelire. Les autres, je vais mettre, je laisse dans mon porte-monnaie, tout simplement. Pour la semaine prochaine. Voilà. Hop, allez, on va remplir du coup ma tirelire ici. Bon, bah, ça va aller vite, hein, il y a 4 centimes. Voilà, ce qui nous fait un total de 19,54 € pour la tirelire des pièces en cuivre. Voilà. Donc, j'ai été retirer l'argent pour remplir les enveloppes. Donc, j'ai tout mis ici et j'ai retiré aussi. Donc, ça, c'est ma petite pochette hein, que je prends avec moi quand je vais chercher l'argent où j'ai mis marqué billets pour le mois. Voilà. Et j'ai préparé aussi mes billets factices pour remplir eh bien, mon épargne. Alors, je pense que c'est ce que je vais faire en priorité. Je vais commencer par remplir mes carnets épargne, comme ça sera fait. Et je suis en train de me dire où est-ce que j'ai mis. Je l'avais enlevé, j'ai pas dû la remettre dans le bon agenda. Voilà, ça m'apprendra. Ah bah oui, tout à fait. Il est là. Mon budget mensuel que j'ai refait. Voilà, donc pour ce mois-ci. Donc on va remplir du coup les épargnes. Hop, voilà, donc on va prendre ici mon classeur épargne. Donc comme chaque mois pour ma fille, eh bien je vais mettre 20 euros dans son enveloppe épargne. Hop, donc ici on est au mois de novembre, plus 20, hop. Donc je vérifie si au niveau du calcul, mais normalement on était bon déjà le mois dernier. Donc 100, 200, 1, 2, 3, 4, 5, 300, 30 et les 20 là de maintenant, c'est bon, on est bien à 350. Donc je marque bien 350, je vais vérifier avant au cas où. Voilà, donc ça c'est l'enveloppe pour ma fille. Pour mon fils, eh bien c'est pareil, hein, ils sont au même montant tous les deux. Donc je ne vais pas recompter pour lui du coup. 350. Hop. Donc, je note ici et je mets un petit billet. Voilà. Ensuite, on a la voiture. Donc, la voiture, j'ai dit que ce mois-ci, je vais mettre 50 euros. Hop. Novembre, plus 50 euros. Donc, du coup, ce qui nous fait un total de 410 euros.
On va vérifier, mais normalement, on est bon. Donc, 100, 200, 1, 2, 3, 4, 5, 300, 1, 2, 3, 4, 5, 400, 410 euros. Le compte est bon. Hop. On continue. Noël. Alors ça, je ne mets pas pour la maison ce mois-ci. J'ai anniversaire en premier. Donc je vais mettre anniversaire en premier. Donc j'ai dit que je mettais 20 euros. Plus 20 euros. Donc là, comme il y a les anniversaires qui arrivent, etc., je suis jamais au montant, hein, parce que je viens reprendre à l'intérieur. Je mets un peu plus, pourquoi? Parce que je prévois aussi, acheter les cadeaux, n'importe quoi. Acheter la boisson, les gâteaux, les décors, etc., quand je fais l'anniversaire de quelqu'un de chez moi, hein, mes enfants, mon mari. Donc du coup, voilà, je mets toujours un peu plus que ce que j'ai besoin pour pouvoir pallier aussi à ces achats là. Donc anniversaire c'est bon. Noël, c'est pareil. Noël là c'est 20 euros ce mois-ci. Donc 680. Là par contre, là le compte est bon normalement. Hop. Donc 20 euros. Donc normalement il y a 680, 100, 200, 300, 400, 500, 1, 2, 3, 4, 5, 600, 2, 4, 6, 7 et 8. On est bien à 680. Alors je mets les billets factices ici, mais bien sûr je fais automatiquement le transfert sur mon compte épargne hein, pour pouvoir... Je ne sais pas que des billets factices, hein. Pour ceux qui me suivent depuis le début, avant je les avais avec moi, je gardais tout avec moi. Mais voilà, pour des raisons de sécurité, je préfère maintenant déposer à la banque et ne garder avec moi ce que j'ai besoin, que j'utilise régulièrement. Par exemple, Noël, là j'ai déjà commencé à faire des achats, mais du coup, je préférais pas garder autant d'argent à la maison. Voilà, donc moi, dès que je reçois ma paye, quand je fais mon budget mensuel, quand je l'établis, je fais automatiquement le virement directement sur mon compte épargne. Ensuite, il y a... je vais terminer sur ce classeur-là. La Saint-Valentin. Hop, Saint-Valentin, j'avais décidé donc de mettre 40 euros ce mois-ci. Hop. Donc, j'avais préparé mon petit tracker à l'avance, hein, comme ça je note. Donc du coup on arrive à 80 euros dans mon enveloppe Saint-Valentin. Voilà, donc on est bien à 80 euros. Comme ça, quand je vais arriver, je vais pouvoir acheter un petit cadeau à mon mari et puis nous préparer un bon petit repas amélioré à la maison. Voilà. Ensuite, donc ici pour ce classeur là. Au niveau des épargnes, on est bon. Il me reste 100 euros qui sont prévus pour mon challenge 52 weeks qui se termine du coup le mois prochain. Et pour les personnes qui arrivent sur la chaîne, cet argent-là, j'ai décidé avec mon mari de les garder pour l'achat de notre future voiture. Donc là, novembre, on est à un montant de 100 euros, ce qui nous fait un total de 1390 euros. Et pour faire un compte rond, le mois prochain, du coup, je mettrai 110 euros pour atteindre les 1500 euros dans mon challenge 52 weeks que j'ai fait un peu différemment que le vrai challenge 52 weeks parce que voilà, j'ai modifié un peu et parce que je pouvais me permettre de mettre un peu plus par moment. Donc du coup sur les derniers temps je mettais que 100 euros les derniers mois,
Il y a juste au début où j'avais mis un peu plus. Par exemple, mois de janvier, j'avais mis 150. Février, j'avais mis 250. Mars, j'avais mis 190. Donc, c'est pour ça qu'après, j'ai pu me permettre de rester sur une somme de 100 euros. Voilà, je suis trop contente. Ça fera déjà 1500 euros en moins à demander en crédit pour la voiture. Plus, eh bien, les économies que je fais depuis septembre, octobre, novembre et décembre, chaque fin de mois, les économies que je vais faire, eh bien, je vais les mettre dans cette enveloppe-là, en sachant que là, du coup, eh bien, pour mes économies du mois, là, les deux derniers mois, ici, donc pour le mois de septembre, j'avais fait une économie de 110 euros sur le mois. Et le mois d'octobre, pareil, j'avais fait 110 euros. Donc là, pour l'instant, on est à 220 euros qui vont se rajouter du coup au challenge 52 week des 1500 euros. Donc voilà, ça sera ça en plus pour pouvoir éviter de faire un trop gros crédit. Voilà, donc maintenant, on va passer au remplissage des enveloppes pour le mois. Hop ! Donc ça, c'est mon enveloppe pour les billets. Donc, hop. Alors, pour l'alimentation, comme chaque fois, eh bien, je vais mettre 400 euros. Donc, j'ai 100 euros en billets ici de 20 parce que voilà, mais j'ai pas réussi à avoir la totalité en billets de 50. Donc, du coup, bah, c'est pas grave, hein, j'aurai en billets de 20. Donc 100, 200, 300 et 400. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les prendre tout de suite pour la semaine prochaine. Les billets de 20, comme ça, je vais les passer. Donc je mets les 300 euros dans mon classeur du mois et les 100 euros dans mon classeur, dans mon filofax, dans ma pochette alimentation. Voilà, donc ça c'est bon. Ensuite, on a le transport. Le transport, eh bien, c'est 100 euros, hein, donc 50 et 50. Pour l'instant, eh bien, je laisse comme ça. J'en mets pas dans mon filofax parce que j'ai encore la moitié du plein, donc je laisse comme ça. Si j'ai besoin, je prendrai ici. Pour la pharmacie. Alors, pour la pharmacie, comme chaque mois, c'est 30 euros pour la pharmacie. Et si à la fin du mois, je n'ai pas utilisé les 30 euros, eh bien, ça finit dans une enveloppe ici à la fin de mon classeur du mois où, eh bien, je cumule l'argent qu'il me reste que je n'ai pas utilisé justement pour prévoir au cas où si on a un achat à faire niveau santé et qui n'est pas pris en charge par la sécu et la mutuelle, eh bien au moins j'ai un peu d'argent d'économiser. Ensuite, en ce qui concerne mes enfants, donc mes enfants, c'est 40 euros par mois, donc c'est 10 euros par semaine. Hop, donc je vais mettre 10 euros dans le filofax. Voilà. Et les 30 euros ici dans le classeur du mois. Voilà. Ensuite, restaurant. On a dit ce mois-ci donc qu'on va mettre comme on fait d'habitude 40 euros. Hop. Voilà. Pour les achats de la maison, etc., shopping, les petits extras que j'ai besoin d'acheter pour la maison, eh bien c'est pareil, c'est 10 euros par semaine. Hop. Alors, c'est bien ce qui me semblait, elle était déjà ouverte. Voilà. J'ai toujours pas fait mon enveloppe pour mon filofax. Il va vraiment falloir que je le fasse. Pour mon chat, eh bien, c'est 20 euros par mois. Donc mon chat, c'est pareil que pour la santé.
si je n'ai pas utilisé eh bien, la totalité de l'argent qu'il y a dans cette enveloppe, les 20 euros, eh bien, il a une petite enveloppe ici où là j'ai déjà 50 euros. Eh bien, pour pouvoir, oui, c'est ça, 50 euros, pour pouvoir, eh bien, si j'ai besoin d'aller chez le veto ou quoi que ce soit, prendre des produits, bah voilà, au moins, j'ai déjà ça de côté. Extra, donc extra, c'est pareil, je mets 40 euros dans l'enveloppe au cas où pour pallier, eh bien, si on a un achat de dernière minute à faire. Qui n'était pas prévu, hein, ou alors par exemple de la famille qui vient manger, qui n'était pas prévu non plus, voilà, des choses comme ça pour justement éviter de prendre dans notre enveloppe alimentation ou autre. Donc voilà, comme ça au moins, bah, si je n'ai pas utilisé, bah, je laisse et ça s'accumule dans l'enveloppe. J'aimerais atteindre au moins 100 euros, voilà, pour avoir une petite marge de 100 euros si au cas où on a besoin de faire un achat. Et puis dès que j'aurai acheté, si j'ai besoin d'acheter quelque chose et que j'utilise cette enveloppe, eh bien si j'utilise 20 euros, et bah le mois prochain, si j'ai déjà atteint les 100 euros, hein, eh bien je remettrai uniquement l'argent que j'ai repris pour réatteindre 100 euros uniquement. Donc ça sera pas tous les mois, ça sera vraiment uniquement pour atteindre la somme de 100 euros dans cette enveloppe là. Il me reste 10 euros pour ceux et celles qui me suivent. Vous savez que de temps en temps, on se fait des petits jeux. Alors je sais que c'est haram, que par rapport à la religion, je n'ai pas à faire ça. Voilà, mais voilà, c'est un petit plaisir qu'on se fait avec mon mari de temps en temps. Si on gagne un peu d'argent, eh bien voilà, on met dedans et puis on se fait plaisir avec, ou on fait plaisir, on donne aussi, ou on, voilà, on donne à des personnes qui ont besoin quand on gagne un peu d'argent. Quand il y a juste bah, là, les 20 euros, parce que c'est que 20 euros qu'on utilise et c'est pas tous les mois, eh bien on le garde pour la fois suivante. Mais par contre, si on gagne un peu plus de 20 euros, eh bah, si on a un achat à faire, on le fait. Ou sinon, on partage, on donne, on achète des courses pour les personnes qui en ont besoin ou autre. Donc voilà à quoi nous sert cet argent. Donc là du coup, eh bien, avec les jeux qu'on avait gagnés, eh ben, on n'a pas les 20 euros. Donc du coup, je rajoute simplement 10 euros pour pouvoir, voilà. Mais après, c'est pas, comme je dis, c'est pas chaque mois, quoi. Peut-être que le mois prochain, on fera pas. Voilà, c'est suivant notre envie, notre humeur. Là, avec mon mari, on avait envie de se prendre là ce mois-ci, le mois prochain. Donc voilà, on fait et puis on verra bien si on gagne ou pas. Voilà en ce qui concerne le remplissage des enveloppes et du Filofax pour le mois de novembre. Hop, on se retrouve en haut. Voilà, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous allez voir un peu comment là ce mois-ci j'ai rempli mes enveloppes. Il y a une enveloppe que je ne vous ai pas montrée. Je peux vous la montrer, je ne sais pas où il est mon classeur. Hop, j'ai un petit classeur où je mets des petites enveloppes extra que si j'ai besoin. Donc là, il n'y a que celle-là que j'utilise dedans. En fait, c'était mon enveloppe où c'est marqué autre dessus, où en fait j'ai mis l'argent que j'ai eu pour mon anniversaire. Et pour mon anniversaire, j'avais décidé de m'acheter, me renouveler mon Apple Watch, parce que celle que j'ai a plus de 5 ans maintenant, et que bah voilà, les mises à jour ne se font plus, elle est dépassée parce qu'il y en a tellement qui sont sortis entre temps. Et du coup, bah voilà, je m'étais dit, si j'ai assez d'argent, eh bien je m'achèterai une Apple Watch, voilà, avec, parce que bah chez nous on n'utilise que Apple. Alors oui, je sais que c'est très cher, mais voilà, c'est un plaisir qu'on se fait aussi avec mon mari. L'ordinateur, ma tablette, notre téléphone, c'est de l'Apple Watch. Donc voilà, on est habitué à utiliser Apple. Et voilà, ça aurait été une autre marque, on aurait tout acheté aussi de la marque. Mais là, c'est vrai que nous, on affectionne beaucoup Apple et on sait que c'est très cher. Mais voilà, c'est un plaisir. Et du coup, là, il me manquait un peu d'argent pour
parce que je n'ai pas eu la totalité que j'avais besoin pour pouvoir m'acheter ma montre. Et du coup, mon mari, en accord avec moi, eh bien, par rapport au budget qu'on avait établi ce mois-ci, eh bien, je pouvais prendre les 80 euros qui me manquaient pour pouvoir eh bien, compléter mon enveloppe et m'acheter mon Apple Watch. Donc là, du coup, j'ai mis les 80 euros dedans. Donc du coup, je vais pouvoir aller m'acheter ma montre, en sachant que mon anniversaire, c'était au mois de septembre. Et du coup, voilà, je voulais pas que ça en compatisse sur notre budget. Mais là, ce mois-ci, eh bien, comme il y avait moins d'enveloppes, eh bien, du coup, je lui ai demandé s'il était d'accord pour que je prenne l'argent qui me manquait pour pouvoir m'acheter ma montre. Donc du coup, il n'y a pas de souci, je vais pouvoir me l'acheter. Et du coup, eh bien, la montre que j'ai actuellement, qui fonctionne encore, hein, eh bien, je vais l'offrir à ma maman pour qu'elle puisse l'utiliser avec son iPhone à elle. Elle se moque que ça soit un ancien modèle. Donc du coup, je vais lui faire plaisir. Ça fait un moment qu'elle en voulait une aussi, donc elle fonctionne très bien, donc je vais lui donner. Donc voilà pourquoi, et c'est la seule enveloppe qui reste sur mon budget mensuel que je vous avais pas parlé. C'était cette fameuse enveloppe pour ma montre. Voilà, en attendant, je fais d'énormes bisous. Merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre chaque jour. C'est un truc de fou, j'en reviens toujours pas. Donc si tu n'es pas encore abonné, eh bien mets un petit pouce en l'air, active la petite cloche. Regarde bien parce que tu peux personnaliser pour recevoir quelques-unes ou toutes les vidéos. Donc n'hésite pas à mettre toutes les vidéos, comme ça tu seras en avant-première quand il y a une vidéo qui sort. Si tu veux me mettre un petit commentaire, n'hésite pas. Et si tu veux me rejoindre aussi sur la page Naturel Angel de Facebook, il y a le lien dans la description, ainsi que le lien pour me rejoindre sur Instagram. Voilà, en attendant, je fais des encore gros gros bisous. Bon dimanche à vous, bon dimanche d'Halloween, et puis prenez soin de vous. À très bientôt.